Alors allons-y tout de suite avec cette première table ronde. On est dans l'axe 1 dont Véronique Gavremont nous parlait. Les politiques culturelles comme véhicule d'intégration et d'épanouissement des migrants au sein de la société d'accueil. Alors j'invite les quatre premières invitées, premiers invités à s'approcher, Stéphanie Arsenault, Natacha Battisti, Daniel Bélanger, je vous en prie, Madame Battisti et enfin Michel Vallée. Monsieur Vallée, voilà l'homme de cette table. Approchez-vous. Alors, le premier axe, on vous l'a dit, c'est vraiment, on essaie de répondre à la question, comment accroître le bien-être individuel des personnes issues de l'immigration, qu'elles soient artistes, professionnels de la culture ou simples citoyens qui veulent participer à la vie culturelle, mais en harmonie avec leur identité et leurs valeurs. Alors, on va voir d'abord la participation des migrants à la vie culturelle de la société d'accueil. Vous avez dans le programme qu'on vous a remis à l'entrée, il en reste des exemplaires, je pense, les notes biographiques assez longues de tous les panélistes qu'on entendra pendant la journée. Je reprends quelques éléments biographiques seulement. Stéphanie Arsenault, bonjour, merci d'avoir accepté. Prof titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Également directrice scientifique de l'EDIC, l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région de Québec. Donc, ses recherches et enseignements portent sur l'intégration des personnes immigrantes et réfugiées. Ensuite, Daniel Bélanger, professeur titulaire au département de géographie de Laval, après avoir enseigné en Ontario pendant plusieurs années. Et depuis 2017, elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Et cette chaire s'intéresse particulièrement aux migrants en situation de précarité, à l'impact des politiques migratoires sur les migrants et aux migrations féminines. Et vous supervisez actuellement des recherches sur le terrain dans plusieurs pays, en Turquie, au Liban, au Mexique, en France, en Italie. Et en plus, vous utilisez le cinéma documentaire. Vous pourrez en parler éventuellement pour, susciter des discussions plus largement, y compris à l'Université Laval. Natacha Battisti, directrice générale du Centre multiethnique de Québec, et depuis 23 ans déjà, comme intervenante d'abord et gestionnaire maintenant, vous travaillez auprès d'organismes communautaires voués à différents enjeux sociaux, dont l'alphabétisation, l'intervention de proximité, la santé, la petite enfance, le développement en général des communautés. Alors, merci d'être là. Et enfin, Michel Vallée. Michel Vallée, qui est directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, vous savez que c'est l'une des villes québécoises qui appartient au réseau Les Arts et la Ville. Alors, M. Vallée cumule lui-même plus de 20 ans d'expérience en muséologie, en gestion culturelle. D'ailleurs, vous revenez de Chine tout juste. Vous êtes allé vous vanter un peu des participations de l'expérience. Alors, c'était au 3e atelier international des leaders d'opinion en innovation urbaine de Guangzhou. Et vous avez parlé des réalisations de Vaudreuil-Dorion, qui est reconnu maintenant par la Commission culture de l'organisme qui s'appelle Cités et gouvernements locaux unis comme l'une des villes leaders mondiales en matière d'agenda 21 de la culture. Voilà. Alors, écoutez, on va parler de la participation des migrants à la culture, mais tout d'abord, peut-être une question que j'ai envie de vous poser. Quelle est, à votre avis, même si vous n'avez pas fait ces recherches précisément là-dessus, votre perception de l'accès des migrants à la culture générale? À quel point sont-ils? Qu'est-ce qu'on peut constater des communautés que vous connaissez dans vos milieux? Par exemple, à Vaudreuil-Dorion, est-ce que les gens issus des communautés qui habitent chez vous? Alors oui, vous avez besoin de vos micros. Alors voilà, j'aurais dû commencer par ça. Vous avez chacune et chacun un micro. Alors il faut l'ouvrir. Ça, c'est pas très compliqué. Le petit contact est sur le dessus et ça s'en vient. Vous fixez ça à l'oreille droite ou gauche en rapprochant le micro un peu comme ça de votre bouche. Ça va? Parfait. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Test est fait, M. Vallée. 3, 4, ça va? 3, l'oreille droite, 4, c'est prévu pour l'oreille droite surtout. Tout le monde là. Vous, le contact, vous pesez simplement. Et on attend 2 secondes. La petite lumière rouge verte va s'allumer. Allô? Et ça y est, vous êtes en onde. Oui, d'accord. Ça va? Ça parfait, va. Mme Arsenault. Alors, M. Vallée, comment vous le percevez? Est-ce que les gens chez vous, provenant des communautés de première génération, des enfants d'immigrants, sont à l'aise pour participer aux activités culturelles générales de Vaudreuil-Dorion? Oui, parce qu'avec les années, ils se sont rendus compte que ces activités leur ressemblaient, parce qu'elles ont pu faire partie des discussions pour savoir ce que ces activités auraient l'air.
parce que on a réussi depuis 10 ans avec les différents partenaires de la ville de Vaudreuil-Dorion, parce que ça se fait pas seul, ça se fait avec les partenaires culturels, ouais. les partenaires sociaux, les partenaires institutionnels, et parce que ce beau travail-là de l'ensemble d'équipe, excusez mon micro, a permis justement de d'aller les rejoindre. Maintenant, est-ce que c'est chose gagnée? Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Est-ce que c'est gagné encore pour des années? Pas du tout. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et c'est vraiment... Et pour l'instant, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça a pris quelques années avant que les migrants se sentent appelés à ce type d'activité-là, même si ces activités leur étaient destinées. Ça nous a pris quand même quelques années avant de créer des percées significatives. Et vous avez dû prendre des mesures spécifiques, là? Tout à fait. Celles dont parlaient les traités, les conventions. Tout à fait. Tout voilà, à fait. On y reviendra. Madame Battisti, pour les gens que vous connaissez de Québec, des communautés de Québec? Oui, bien, c'est sûr que, oui, il y a l'ouverture. Les gens désirent participer. Il y a cette même pour les jeunes mm-hmm. actuellement. Puis je vais dans le même sens que monsieur. S'il y a des activités qui sont culturelles à travers le milieu scolaire, oui. pour ça démarre vraiment avec ces partenariats-là. Et c'est aussi l'accès à ces gens-là. Des fois, ça peut être les jeunes sont interpellés à travers le milieu scolaire, à travers leurs activités, les camps de jour d'été, des choses comme ça. Mais des fois, c'est l'accès pour le parent par la suite. L'accès, donc, il y a des barrières financières, oui, entre autres? Oui, tout à fait. Il y a des barrières financières, de transport, parce qu'ils n'ont pas les sous. Donc, il y a toute une autre réalité pour certaines catégories. Puis, on l'a bien vu dans qu'est-ce que Hélène a apporté tout à mm-hmm. l'heure avec la dame. Cette préoccupation-là doit faire partie de nos réflexions pour pouvoir leur donner accès. Il y a vraiment tout le... C'est de base, là, le matériel, même l'accès à des inscriptions. Puis oui, on peut avoir des ententes avec les gens des loisirs, des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut avoir ce souci-là de éventuellement dans notre réflexion. Oui. Vous parlez d'accès. Il y a des inégalités, j'imagine, qu'on ne peut pas oublier. Des inégalités dans l'accès et qui sont liées directement à la condition socio-économique des individus, j'imagine, Mme Bélanger. Oui, donc la sociologue en moi, oui, je poursuis dans la même lignée que Natacha. Donc, c'est évident que l'accès à la culture, c'est très inégal. C'est pas seulement au sein des migrants, mais c'est la population en général. Mm-hmm. Donc, comme Natacha le mentionnait, la question économique, l'accessibilité physique au lieu, l'accès à l'information, où est l'événement, en quoi consiste-t-il? Je pense à un nouvel arrivant qui voit l'annonce de l'événement « Quand tu dors en marchant », qui est magnifique, qui est gratuit, mm-hmm. mais est-ce que quelqu'un va concevoir cognitivement de quoi il s'agit? Donc, un besoin de communication d'informations accrue pour des populations nouvellement arrivées, pas forcément, qui n'ont pas forcément une expérience antérieure avec ce type d'événement, plutôt d'art contemporain, par exemple. Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi penser à l'idée que la culture doit aller vers les migrants. C'est pas seulement aux migrants d'aller vers la culture. Donc, c'est un peu le message que je voudrais transmettre dans mes interventions. C'est que cette idée d'intégration du migrant qui fait cet effort, qui doit aller vers la société, bien sûr, on le sait, tous les gens dans le domaine, c'est vraiment un processus interactif, co-constructif, de co-construction, donc que la culture aille vers les migrants, vers leur lieu de vie, par exemple, peut vraiment avoir un impact très, très important. Mm-hmm. Est-ce que, et ça suppose des partenariats, hein, comme ceux qu'évoquait Mme Battisti, on ne peut pas le faire seul quand on provient du milieu culturel ou d'une institution universitaire. Mme Arsenault, quelle est votre perception de tout ça, à la fois sur l'accès? Comment vous le voyez dans vos recherches? Est-ce que vous avez essayé d'évaluer? Peut-être justement préciser que moi, je suis très novice, très nouvelle dans le domaine de la réflexion et de l'analyse entourant l'art oui. comme pouvoir de... Comme, transformation. Comme outil mm-hmm. de transformation et d'intégration sociale. Et les commentaires que je suis à même d'apporter aujourd'hui reposent sur deux expériences d'intervention recherche très récentes qui avaient justement l'art au cœur de ces deux démarches. Et dans les deux démarches que j'aurai un petit peu plus l'occasion de détailler dans un instant, ce que les gens, les participants nous ont dit, ça peut paraître très simple en soi, mais c'est avoir accès à des activités. Il faut que les cadres soient
possible, les cadres, ou exprimer ou réaliser des activités artistiques. Donc, ça prend des ressources. Il faut qu'il y ait des financements possibles, des lieux accessibles. Donc, la seule existence de ces cadres-là qu'on a proposé à des gens était pour eux extrêmement bénéfique, puisqu'ils ont exprimé une grande satisfaction d'avoir enfin pu participer carrément, créer quelque chose. Et je suis tout à fait en accord avec certains commentaires qui ont été mentionnés par rapport aux défis, par exemple, de recrutement. Je pourrais mettre un peu plus en évidence dans quelques instants à quel point il y a un écart grand entre la difficulté qu'on a eue à recruter les gens et la satisfaction gigantesque que les participants ont finalement ressentie dans les activités. Et un des défis, c'était justement le transport des considérations très terre-à-terre. Et une des stratégies qu'on a utilisées dans les projets que je vais présenter, c'est le covoiturage entre participants qui étaient détenteurs d'une voiture, et ça rimait souvent avec Québécois natifs, et ceux qui n'étaient pas détenteurs d'une voiture, qui étaient les réfugiés participants à l'activité musicale. Donc, alors, peut-être que vous pouvez déjà nous donner un exemple. L'activité musicale dont vous parlez, c'est comme une chorale, au fond, hein? Vous avez apporté des images, on peut... Oui, oui? Je vais, dans quelques instants, proposer un petit extrait pour... enfin, pour égayer un peu cette présentation. Oui, pour avoir un autre exemple, c'est intéressant d'en avoir le plus possible. La démarche à laquelle j'ai participé récemment est une démarche qui était sous la direction de Maria Teresa Moreno Sala, de la Faculté de musique, donc un projet sur lequel j'étais co-chercheur, qui s'intitulait spécifiquement « L'apport d'activités musicales interculturelles pratiquées en groupe sur l'intégration sociale et le bien-être psychologique des nouveaux réfugiés ». Et ça a consisté très concrètement à regrouper 10 Québécois de longue date, soit des Québécois natifs ou des Québécois résidents permanents, et 10 réfugiés arrivés depuis moins de 2 ans, pour, sur une période de 10 semaines, ensemble, jouer, échanger autour de la musique. Et il s'est avéré, au terme de cette expérience-là, qui était à l'automne 2017, que l'élément charnière, ce qui a le plus emballé et enthousiasmé les participants, c'est la création collective qui en a résulté. Donc, à partir de quelques semaines de cheminement collectif, les gens ont proposé de créer une chanson, donc ensemble, les 20 participants, essentiellement la composition, les paroles de chanson. Oui. Ainsi que la musique. Et les gens nous ont dit, au terme de l'expérience, par exemple, la meilleure chose, c'était vraiment la création, la chanson. Nous avons chanté ensemble en studio, c'était magnifique. Nous étions une vraie équipe, un même et seul esprit. Ça, c'est un réfugié participant qui disait ceci. Donc, la notion de bien-être personnel, là, s'exprimait très clairement. Directement, là. Très clairement. Oui. Une autre personne disait, la création, ça nous a amené vers un but commun. On a trouvé ça génial. Pour moi, ça a été vraiment le cœur, la création. Et chez certaines personnes, on a vu que cette expérience-là a vraiment laissé une trace très durable. Une Québécoise native du groupe nous dit « Pour moi, ça a été une fierté d'avoir participé à un si beau projet et ça va marquer une bonne partie de ma vie. » On s'arrête là, on veut voir. On veut voir. On ne veut pas juste savoir, on veut le voir. 2 minutes, puis ensuite, voilà. On en saura un petit peu plus. Pour ne pas oublier, je me souviens. Mon pays d'amour, je te cherche partout. Je te vois dans tous les yeux et dans chaque jour. Nous sommes partis sans joie, fuyant la guerre là-bas, pour arriver sous la mer. Thank you.
Voilà. Alors, ça a été diffusé. C'est un document de 5 minutes à peu près qu'on peut voir sur YouTube. Est-ce qu'il y a une diffusion plus large publiquement? Bien, l'initiative, si on veut, a quand même laissé place à plusieurs présentations publiques. Parmi les images qu'on a vues, les images hivernales, disons, c'était lors de la commémoration du premier anniversaire de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec. Ensuite de ça, ça a été présenté à une occasion dans une fête du Centre multiethnique l'année dernière. On a fait une mini-apparition en direct du jour de l'an de France Baudouin. Plusieurs apparitions dans la ville de Québec, mais pour les gens, les participants, la consolidation de cette expérience-là, et ça fait 2 ans que l'expérience formelle est terminée, mais les gens continuent de se voir. Continuent de se voir. Et sous peu, pour la période des fêtes. Voilà. Alors, Mme Battisti, donc, vous connaissez déjà le document. On l'a présenté chez vous. Vous étiez là. Et comment c'est reçu? Je n'étais pas là. Oui. Désolée, parce que je suis là juste depuis 6 mois. Mais oui, ben, c'est sûr que nous, nos équipes et les gens, quand on collabore à des choses comme ça, ça vient vraiment chercher même nos travailleurs, même notre personnel et les gens qui participent. Mm-hmm. Pour se dire, il y a le souci justement de cette idée-là de vivre ensemble, et la chanson le présente bien. Je fais le Elle lien. Fait appel à l'émotion, c'est-à-dire que c'est très touchant de voir ça, et au rapport humain, dans ce qu'il y a de plus humain. Tout à au fait. Fond. Et je fais le lien où, justement, tout cet esprit-là, de plus en plus, puis je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être même diffusé. Quand on parle de société d'accueil, que nous aussi, comme société d'accueil, on doit bien accueillir nos nouveaux arrivants, c'est un élément qui pourrait être même publicisé à travers les diverses télévisions pour se dire qu'il faut sensibiliser aussi notre population à cet accueil-là, à ce partage. Et quand on comprend la trajectoire des gens, ça vient nous toucher différemment, même comme société d'accueil et les gens qui vont accueillir les nouvelles personnes. Là, dans les prochaines années, on le sait qu'il va en avoir plusieurs. Oui, de plus en plus, avec entre autres les changements climatiques. Est-ce que, dans ce cas, l'initiative provenait de chercheurs de l'Université Laval? Dans le cas de la ville de Vaudreuil-Dorion, est-ce que vous avez mené des opérations semblables? Ou qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Donnez-nous des exemples d'interventions relevant de la politique culturelle de la ville. En fait, le tout a commencé chez nous vers 2009, où, quand je suis rentré en poste à la ville de Vaudreuil-Dorion, les élus avaient une préoccupation immense due à l'explosion démographique que nous étions en train de connaître. En moins de 20 ans, la ville de Vaudreuil-Dorion est passée de 17 000 citoyens à 40 000 citoyens. En moins de 20 ans. On est passé d'une population 98 % francophone, grosso modo, à une population qui aujourd'hui présente à peu près 45 % de sa population qui ne parle pas français. Donc, comment faire en sorte de créer cette cohésion sociale? Et dès mon arrivée en 2009, le maire, Guy Pilon, qui est encore maire aujourd'hui, m'expliquait comment lui et le conseil avaient peur de la création de ghettos. Des ghettos chics, mais des ghettos pareils. Ghettos quand même, des quartiers où les gens d'origine pakistanaise achètent 20, 30 maisons dans un quartier pour y demeurer en communauté. C'est des ghettos pareils. Donc, cette exclusion-là, cette auto-exclusion-là faisait très peur aux élus. Et en 2010, on a lancé le programme Je suis. Je suis, trois petits points, qui a été basé sur la médiation culturelle. Et donc, à Vaudreuil-Dorion, bon an, mal an, depuis 2010, on a été chercher donc, l'ensemble des partenaires, une centaine de partenaires du milieu, musées, institutions telles que l'ancien CLSC, CIS aujourd'hui, la commission scolaire, vraiment l'ensemble des institutions, chambres de commerce et tout, et les groupes communautaires également, les groupes sociaux. Et on a travaillé très, très fort pour mettre en place ce programme-là de médiation culturelle qui va chercher une trentaine d'activités différentes par année qui se déclinent à environ 600 ateliers publics par année dans l'ensemble de la communauté. Donc, les ateliers peuvent être dans des résidences pour personnes âgées pour briser l'isolement. Ça ne touche pas uniquement l'immigration, on touche beaucoup plus large, mais on a toujours fonctionné chez nous sans nécessairement cibler, en prime abord, l'immigrant.
en créant les conditions pour qu'ils se sentent... Pour que ça fonctionne ensemble. Intégrés et appelés. Et moi, j'ai toujours parlé depuis une dizaine d'années de mixité. Et on a toujours beaucoup plus travaillé de ce sens-là en s'assurant d'avoir des groupes importants de migrants à travers l'ensemble de la population pour créer ces lieux de rencontre-là. En fait, le pari chez nous vient de la situation migrante, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut respecter ce qu'on ne connaît pas? Non. Pour ça, il faut se rencontrer. Et le pari qu'on fait, c'est qu'avec la rencontre vient la connaissance de l'autre et de ses différences, et qu'avec cette rencontre-là, vient le respect. Oui. Et c'est à partir de ça qu'on a bâti chez nous le programme de médiation culturelle Je suis, où on a touché aussi bien les gens qui sont en difficulté au niveau de la santé que des gens, comme vous et moi, qui sont en forme et qui avons besoin de connaître un peu plus notre communauté, et toujours en intégrant énormément la partie des immigrants. Pour nous, c'était essentiel. Il y a plusieurs activités qui étaient directement liées, qui le sont toujours, directement ciblées. On a des activités formidables qui le sont, mais je vous dirais que la plupart de nos grandes activités, pour donner un exemple du défilé mosaïque, le défilé mosaïque chez nous en sera à sa dixième édition en 2020, réunis aux alentours de 1500 à 2000 personnes qui, pendant 5 mois, vont travailler le concept du défilé carnavalesque avec des artistes, des tableaux artistiques et auxquels on fait des rencontres improbables. Alors, par exemple, on a jumelé dans le passé la communauté indienne avec le cercle des fermières. Ah oui. On a jumelé le Carrefour Jeunesse-Emploi avec la communauté musulmane. On a, pour pouvoir vraiment créer ces rencontres-là improbables et faire en sorte que la rencontre vers l'autre et notre but du respect final à la fin arrive. Oui. Mais plus que le respect, c'est le vivre ensemble, c'est le quotidien ensemble. Oui. On a eu plusieurs projets. Et au départ, c'est la connaissance mutuelle. C'est la connaissance mutuelle la et condition. C'est le travail en commun. La plupart de nos activités, comme je vous disais souvent, on va chercher à peu près 50 % d'immigrants, 50 % de non-immigrants dans l'ensemble de nos activités. Cette année, on a réalisé une fresque peinte sur une tour d'eau, un château d'eau, de 135 pieds d'auteur et qui a été réalisé en co-création, oui, avec une firme spécialiste, Échoppe, à Montréal, mais avec plus de 400 citoyens qui ont participé à la démarche, dont la moitié au moins était issue de l'immigration. Pour nous, c'est vraiment dans ce contexte-là de connaissances. On a beaucoup d'artistes qui sont eux-mêmes issus de l'immigration chez nous et qui sont ces courroies-là de transmission. Donc, c'est une autre pour nous, notre technique, notre outil pour pouvoir amener la connaissance et la reconnaissance. Et vous avez déjà donc depuis 10 ans une expérience très concluante et on voit que plusieurs partenaires sont intégrés parce que si on pose la grande question, comment les clés de la réussite d'une politique comme celle-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a des réponses si claires? Qu'est-ce que la recherche, entre autres, nous dit? Madame Bélanger. Bien, je crois que les exemples qui viennent d'être évoqués sont très parlants de l'importance d'humaniser les populations migrantes, surtout dans le contexte actuel où on a des discours politiques qui peuvent être très stigmatisants, qui divisent, qui menacent la cohésion sociale et qui sont instrumentalisés. La population migrante peut être instrumentalisée à des fins politiques et avoir un impact négatif local très important. Donc, d'où l'importance d'initiatives locales comme celles qui viennent d'être évoquées, qui peuvent contrecarrer ce courant très inquiétant qui, malheureusement, gagne le Canada, le Québec, l'Ontario notamment. Entre autres, la minorité musulmane. Ouais. Notamment, exactement. Prenons cet exemple-là, qui s'impose un petit peu. Je pourrais vous en parler tantôt, mais j'ai des succès que nous avions jusqu'à il y a 2 ans. On doit recommencer à zéro depuis 2 ans. Et c'est abominable. Ce qui se passe sur le terrain au niveau cohésion sociale, c'est fou. Ah oui, sérieusement? Sérieusement. Ouais. Même quand on a institué des modèles de collaboration, de créer des lieux, l'actualité politique peut venir fragiliser tout ça. Et non pas par les participants immigrants eux-mêmes. Ça va très bien. Eux sont de plus en plus fiers, ils veulent de plus en plus prendre leur place. Ça, j'ai pas de problème. Défilé mosaïque, cette année, j'avais un groupe de la communauté tamoul qui devait être 80, il était 200 dans le défilé comme tel. Mais ça l'a créé chez nous un coma politique, où là, les gens ont sorti sur Facebook dans ce que vous avez raconté au niveau politique, en disant « on ne se reconnaît plus, on n'est plus chez nous, le Québec, ce n'est pas des turbans. » Alors,
Je vous évite les pires. Là. Je crois que c'est capital. On est en plein dedans, là, dans le défi. Exactement. Là, et donc, ensemble aussi. Avant de parler du bien-être individuel, je crois qu'on fait face à des enjeux collectifs nouveaux, en fait, qui ont pris une dimension, une envergure nouvelle, qui menace vraiment la cohésion. Et les exemples que vous évoquez sont très parlants. Je suis également administratrice au Centre multiethnique de Québec. Peut-être que Natacha peut en parler, mais on voit aussi que les acteurs de terrain font face à des défis dans les écoles. Mmh. Et on nous relate qu'il se passe des choses à Québec qu'on n'a jamais vues, autant d'incidents. Tout à fait. On est sur une table, il y a une table de travail sur la polarisation et la radicalisation. Et on a des intervenants de proximité qui se retrouvent dans certaines écoles. Et il y a des situations qui sont dans des milieux scolaires qui se retrouvent sur ces tableaux où ce qu'on doit justement en co-construction avec... Il y a des gens de service de police de la Ville de Québec, il y a des gens du CIUS aussi, où ce qu'on discute de certaines situations qu'on doit déjà en bas âge et en lien avec certaines familles dans certains secteurs travailler. Mm-hmm. Pour diminuer ces éléments-là de polarisation mm-hmm. et de radicalisation. Et la question se pose encore plus, quel est le rôle de l'art, de la création, de la créativité? C'est ça, comment on peut travailler. De la culture, dans tout ça. Puis je pense qu'on revient sur la méconnaissance, comme vous disiez, vous avez travaillé beaucoup sur le vivre ensemble. Il faut retravailler, il faut recommencer ce partage-là de méconnaissance, donc qui amène où on développe une... C'est des visions partagées, mais en même temps, ça développe le non-respect. Alors, il faut vraiment reprendre le discours de partage, de comment ça se passe chez l'autre et mutuellement de rétablir les liens. Mm-hmm. Donc, mais comment on fait pour essayer de passer par-dessus la méfiance? Je pense à des gens, par exemple, qui viennent d'arriver de pays d'Afrique ou de n'importe où, mais qui sont comme socialement devant ces résistances-là ou ces messages-là. Comment aller les chercher précisément à Québec ou ailleurs pour les amener à ces lieux de rencontre culturel. Mais je ne sais pas, vous, comment quel argument on peut utiliser? Je pense qu'il faut travailler beaucoup avec on est à une période où c'est la société d'accueil. C'est là qu'on doit travailler. Et il faut peut-être appréhender comment la culture peut amener la société d'accueil à se repositionner et à appréhender l'immigration et les migrants autrement. Mmh. Donc, je pense qu'il faut peut-être changer, inverser le regard, parce qu'on est à cette période aussi critique au niveau de nos communautés locales. Oui, tout à fait. Comment on va aller chercher nos gens, je pense, mm-hmm. Dans des projets. Parce qu'il y a toujours des gens plus isolés. Là, oui, c'est toujours ça. Hein? On a les meilleures politiques, les meilleures mesures, mm-hmm. y compris en matière de culture, mais il reste des gens profondément isolés. Mm-hmm. Alors, comment eux, alors que ce serait c'est très important c'est vraiment les agents eux? De proximité. C'est vraiment avec les partenaires. Je pense à un projet qu'on a fait, nous, avec les enfants de notre... parce qu'on a les habitations, donc on offre un lieu d'accueil... d'hébergement temporaire et on a fait vraiment des personnes de notre équipe en lien avec une artiste du milieu fait justement des activités à l'extérieur de notre bâtiment, vraiment dans la vie des gens, dans un parc. Mm-hmm. Donc, il faut amener ces éléments-là, mais c'est sûr que les gens vont avoir confiance pour sortir les immigrants à être en lien avec quelqu'un et les mettre travailler avec la communauté aussi. Et je pense du côté d'une place avec l'OMHQ, il y a eu aussi toutes des initiatives artistiques et même de vivre ensemble dans un milieu de bâtiment HLM. Mm-hmm. Donc, c'est des partenaires où ce qu'on peut aussi travailler de pair pour pouvoir aller chercher les plus isolés qui vivent certaines difficultés par justement l'intervention de proximité, mais pas seulement les gens du centre multiethnique, mais avec le CIUS, avec les organisateurs communautaires, avec la police aussi qui connaissent. Il faut vraiment s'arriver avec plusieurs partenaires pour pouvoir aller les chercher et là créer des activités avec eux, soit artistiques ou autres, pour commencer à connaître et surtout dans des bâtiments comme des HLM à Primodic ou d'économie sociale. Il se retrouve toutes sortes de personnes qui peuvent avoir de la méconnaissance ou de l'ignorance. Et c'est comme ça, je pense, qu'on réussit graduellement à avoir. Et chez nous, les habitations, les centres multitechniques, on le travaille aussi dans ce vivre ensemble-là. Donc, il y a des activités de toutes sortes qui se font sur tout le bâtiment pour pouvoir inviter les gens
à se connaître. Okay. Et là, ça se passe sur les lieux même. Les lieux même. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, la barrière socio-économique mm-hmm. est moins là. Il reste la barrière de la langue. Oui, la barrière de la langue. De la barrière des valeurs culturelles aussi, dans certains cas. Tout à fait. Ah, oui. Monsieur Vallée? Oui, mais au niveau du... au niveau du comment susciter la participation, faut y croire, faut persister et faut se rappeler d'un mot que vous avez utilisé à bon escient, proximité. Mm-hmm. Faut pas penser qu'on va lancer un appel sur Facebook puis que ça va arriver en courant. Il faut pas penser que, même si on fait affaire avec un grand groupe, il faut commencer d'abord par créer cette confiance-là de proximité avec des individus. Si ces individus trouvent à être les leaders de leur communauté, mm-hmm. youpi! Mm-hmm. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que ces gens-là, avec qui vous créez ces liens-là, vous amènent vers les leaders pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Souvent aussi, l'autre technique qu'on utilisait, c'est beaucoup chez nous, autant nos animateurs, nos cordeaux et tout ça, au niveau de l'animation culturelle, de la médiation culturelle, on les a formés pour qu'ils deviennent des antennes. Et que lors des activités culturelles, que ce soit à la bibliothèque ou ailleurs, ils puissent saisir tout de suite les opportunités des personnes qui sont là pour pouvoir entrer. Parce que quand on saisit, on rencontre la personne, ça va terminer. Peut-être que l'étape suivante, ça va être d'aller prendre le thé mm-hmm. chez cette personne-là, qui va nous présenter à sa famille, à son voisinage, donc, oui. qui nous présente à l'ensemble de son réseau. Donc, il y a un effet d'entraînement à créer. Exactement. Là, c'est puis, ce qu'on veut. Puis j'ai une histoire rapidement là-dessus, un beau succès chez nous, une de ces de cette technique-là d'antenne, c'est qu'on avait une dame issue de la communauté indienne qui... donne naissance à sa deuxième enfant, dépression, son mari est beaucoup à l'étranger pour le travail. Elle décide de venir s'impliquer aux activités de médiation culturelle pour se sortir de son cercle psychologique le plus, plus négatif. Donc, elle vient s'impliquer, elle commence à rencontrer des gens, et là, tout de suite, on réussit comme à voir le potentiel de cette personne-là, de travailler beaucoup avec elle, poser des questions, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous sentez, votre communauté. Cette personne-là est partie de cette expérience-là plus négative pour elle, de ce qu'elle vivait. Grâce aux activités de médiation culturelle, elle a fondé son propre réseau de la communauté indienne, l'ICOM, indo-canadienne de Montréal, mais basée à Vaudreuil-Dorion, parce qu'on est quand même collés. Elle a fondé sa propre entreprise de communication. Elle s'est présentée aux élections il y a 2 ans et elle est conseillère municipale aujourd'hui. Voilà. Jasmine Sharma. Alors, c'est formidable et de voir... Et le tremplin, ça a été cette première opération de médiation culturelle. Tout à fait. Et après ça, elle a amené sa communauté. Ça a été la première communauté culturelle à participer au défilé mosaïque dont je vous parlais tantôt, mais à plein d'autres activités par la suite où elle amenait sa communauté avec elle. Mmh. Et depuis les 5 dernières années, si je ne m'abuse, c'est 5 ou 6 ans, elle fait la Oliaï, la fameuse fête des couleurs, à Vaudreuil-Dorion, mais ouverte sur l'ensemble de la collectivité pour ramener l'ensemble de la collectivité à venir se pitcher à la couleur. À s'approprier, au fond. Ben oui. Quelque chose qui est profondément important pour elle, toujours. Donc, les antennes, toujours, les contacts directs. Oui. Mais je vois, je reviens sur l'idée de la durée du travail. C'est-à-dire que, Mme Arsenault, je reviens à vous, je pense que c'est clair dans l'exemple que vous avez donné qu'il y a un grand bénéfice personnel pour les gens à participer à des projets culturels comme ça. Est-ce que ça facilite forcément leur intégration à toute la société québécoise? Quand on a développé ce projet-là, on a décidé d'aborder la question de l'intégration d'une manière très subjective et de voir qu'est-ce que signifie pour les participants au projet être intégré. Donc, on a vraiment décidé de tenter de rompre avec une forme de normativité ou un désir de mesurer ou de cadrer de manière très rigide mm-hmm. qu'est-ce que pourrait être l'intégration, ce qui est souvent l'approche comment on mesure ça, au fond, hein? Les amitiés, les... Voilà. Les gens, ce qu'ils ont nous exprimé, c'est qu'être intégré, il y a 2 dimensions qui sont ressorties de manière prédominante chez les personnes réfugiées et chez les résidents permanents, immigrants. La première dimension, c'est plus, cognitif, c'est-à-dire je me sens intégrée quand je comprends et quand je connais et quand je comprends... Les codes, mm-hmm. le fonctionnement, les personnes, la culture, la langue, bien entendu. Donc, simplement cette dimension-là de comprendre et de connaître. Et la deuxième dimension, c'était vraiment sur un plan relationnel.
Je me sens intégrée quand je suis en relation avec des gens d'ici. C'est vraiment ces deux éléments-là qui sont ressortis plus que tout autre élément. Et on s'est aperçu qu'à travers la démarche de groupe qui intégrait des résidents de longue date du Québec, des Québécois natifs et des réfugiés nouvellement arrivés, ça atteignait vraiment ces objectifs-là. À travers une démarche artistique, musicale, culturelle, où on apprend les trésors justement culturels des uns et des autres. Les gens ont ressenti et se sont appropriés des éléments de la culture, de la tradition québécoise, telles qu'elles ont été présentées par les participants québécois et mutuellement. Donc, ça a vraiment été une démarche de meilleure connaissance, acceptation, reconnaissance et appréciation mutuelle. Donc, et un dialogue réel, c'était pas à sens unique. Un dialogue réel, vraiment dans toutes les directions multiples, même pas bidirectionnelles, mais multidirectionnelles. Et en ce sens-là, les participants natifs du Québec, les résidents permanents, les immigrants ou réfugiés ont unanimement considéré qu'une démarche de cette nature-là leur faisait ressentir un plus grand sentiment d'intégration, de faire partie de la société en la comprenant mieux, en la connaissant mieux, en se sentant reconnu par elle. Et ça, c'est vraiment aussi extrêmement important dans les propos des gens. Pour une première fois, certains nous ont dit, pour une première fois, j'ai eu le sentiment d'être reconnu. Oui. On a accepté mes paroles dans la chanson, on a accepté l'air que je proposais, ou on a... Oui. Mais restons sur cette idée de reconnaissance. Madame Bélanger, vous disiez tout à l'heure, on est en train, il y a un grand danger de déshumaniser les immigrants quand on voit les débats politiques et tout ça. Réhumaniser les humains qu'ils sont, c'est aussi accepter leur culture et accepter que leur culture fasse partie de la nôtre. Alors, comment intégrer cette contribution de toutes ces cultures à la nôtre? Mais je crois que ce qui a été évoqué en introduction, par exemple, au niveau du musée, avec le fait de revoir une exposition sur le Québec... Oui, le temps des Québécois a besoin d'être actualisé, je pense qu'il y a quand même un devoir de patrimonialisation de l'histoire migratoire du Québec, qui, après la vague initiale francophone, a quand même été une histoire de migration successive, qui est un peu dans l'ombre de notre histoire et de notre patrimoine, de la façon dont il est valorisé, du moins. Donc, je pense que, bon, sans être du tout une experte là, en patrimoine et en politique culturelle, je crois qu'il y a un travail, et le CELAT a l'air de vouloir y participer, c'est formidable, un travail à faire dans l'éducation, dans la patrimonialisation, dans les musées. Il faut mettre en valeur cette contribution, cette diversité. Il y a par exemple très peu de gens du Québec qui connaissent l'histoire des Noirs au Québec. Ou l'histoire réelle des Autochtones. Voilà, c'est la première, bien sûr. Donc, tout ça vaut pour le passé. Un gros travail. Comment faire l'exercice du présent? Mais comment faire pour amener chez nous et intégrer dans la culture majoritaire des éléments de la culture, par exemple, de ces gens qui vivent dans les HLM que vous, dirigez? Je pourrais évoquer un exemple autre qui... un exemple, c'est une de mes étudiantes au doctorat qui est à Paris, qui travaille sur les migrants en errance dans les grandes villes européennes. Et elle a participé à un projet qui s'appelait Migrantour, qui recrutait des demandeurs d'asile en errance pour les former en tourisme, et ils font visiter des quartiers populaires de Paris qu'ils connaissent très, très bien. Donc, c'est un tourisme alternatif qui mobilise un savoir migré, une compétence que ces migrants en errance ont développé de leur ville et qui offre une vision alternative de la ville aussi, des lieux touristiques, culturels, très connus, emblématiques, et qui leur donne une place, qui reconnaît leur existence, leur légitimité dans l'espace urbain, et qui transforme leurs connaissances en valeurs culturelles. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour valoriser ces savoirs. Oui. Leur savoir culturel et leur pratique artistique également. Alors, comment multiplier, je dirais, ces lieux de rencontre ou ces lieux d'exercice
de l'art, de la culture par ces populations nouvelles. Est-ce que vous avez d'autres idées là-dessus? L'exemple qui me vient, c'est la Bordée, là, qui joue cette ancienne pièce montée, jouée par des personnes immigrantes, précisément sur cette expérience de l'exil, de la migration, mais c'est un exemple seulement. Monsieur Tout Vallée? À fait. Il y a eu la pièce de théâtre également et le documentaire sur Passage, qui est exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez vu du côté de Télé-Québec, je vous invite à aller voir ça, là. C'est vraiment incroyable sur le vécu de ces étudiants-là, jeunes qui arrivent et comment ils interprètent leur arrivée ici. C'est formidable. Il y a plein de mécanismes qu'on peut mettre en place. Les plus porteurs pour pouvoir créer la réelle rencontre entre les gens dits néo-Québec ou de longue date ici, avec les migrants, je pense que c'est de réussir à trouver des références communes. Une des références, je vous donne un exemple, un des exemples qu'on a utilisé chez nous, qui est le conte. Oui. On est parti des contes québécois et on a travaillé avec les écoles de francisation pour prendre les contes québécois, prendre les contes des pays d'origine des gens qui étaient là, et créer des nouveaux contes, inspirés des contes québécois et des contes internationaux qui nous étaient offerts. Et chaque groupe d'étudiants devait travailler avec des Québécois de longue date ici pour pouvoir créer un conte à la fois issu des réalités québécoises et des réalités de leur pays, de leur histoire. Même cette année-là, on a eu des prestations théâtrales qui proposaient au grand public ces contes-là. Ça a été un très grand succès. Pourquoi? Parce qu'on était dans une référence commune. Mais dans une référence dans commune... la co-construction... Et un partage. Et une co-construction également de nouveautés de part et d'autre. Mm-hmm. Donc, de trouver la ligne entre la référence commune, le nouveau contenu, le partage et la contribution réelle des deux parties. Et en même temps, ça rejoint l'universel, parce que les thèmes, évidemment, les préoccupations sont les mêmes au-delà des couleurs culturelles. Tout à fait. Et maintenant, et à partir de ça, souvent. Il faut moduler selon les clientèles. Oui. Chez nous, pendant plusieurs années, à l'école secondaire, on a travaillé un concours de menterie qui a eu un succès. Concours de menterie, bon. Oui, c'est un concours. Étiez-vous un participant? Malheureusement, je suis un très mauvais menteur, ça paraît tout de suite. Mais blague à part, c'était sous forme de conte avec des conteurs professionnels où les enfants issus de... Mm-hmm. Plein de communautés à travers le monde écrivaient un conte avec la technique du conte, technique d'écriture, mais sous forme de mensonge, sous forme de grande menterie. Et chaque clientèle a ses approches avec, et chaque artiste nous permet d'arriver avec ces approches-là. C'est les artistes qui nous nourrissent. Il ne faut pas oublier à l'intérieur de ça l'implication des professionnels de la culture et des artistes qui sont les réels moteurs de ces idées transformatrices. Les artistes aujourd'hui deviennent des réels agents de développement de leur communauté. Ils sont des artistes, oui, mais ils sont des artistes qui provoquent le développement et qui permettent la rencontre. Oui. Du moins, les artistes qui veulent jouer ce rôle-là. Enfin, certains le font de toute façon. Oui, tout à fait. Ça fait partie de leur pratique. L'important, c'est de... D'autres vont encore plus loin dans un engagement dans ce sens-là. Tout à fait. Mais ça appartient aux artistes de faire le choix d'aller dans ce sens-là ou pas. Il ne faut pas qu'un remplace l'autre. On parle des choses complètement différentes. Oui, tout à fait. D'autres idées? Oui, Mme Baptiste. Je vais juste faire un retour sur qu'est-ce que ça prend. Je pense que ça prend un leadership. On voit avec vous, de votre côté, avec Vaudreuil Dorion, il y a un leadership politique de leur côté, dans leur secteur. Je pense qu'il y a le leadership politique, que ça peut être en lien avec seulement la ville, la communauté, leadership aussi de certaines organisations qui vont prendre de l'avant pour s'afficher aussi, qu'on va collaborer à cet apport-là, à cette reconnaissance-là, à travailler sur l'ignorance. Donc, il faut aussi, comme partenaire, puis mettre de l'avant l'humain qui est derrière cette personne-là aussi. Il y a un processus, quand les gens arrivent, il y a un processus, il y a un temps aussi qui vont se déposer, qui vont vouloir aller. Mais quand ce passage-là est fait, besoins essentiels de base, puis après ça, quand c'est fait, là, il faut leur permettre de pouvoir s'extérioriser. Oui, se déployer. Tout à fait. S'épanouir. Dans tout leur sens. Oui. Et je pense que le leadership est de base, que ce soit, comme je vous dis, de la communauté ou des partenaires, ou de reconnaître qu'ils ont cette contribution-là. Oui. Et ce leadership, est-ce qu'il est forcément politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit
s'accompagner d'un leadership de la ville, par exemple, ou du gouvernement, ou des acteurs institutionnels? Est-ce que ça peut venir simplement des groupes ou de la société civile? Oui, ou est-ce qu'on a besoin de l'appui politique? Ben, idéalement, on l'aurait, mais dans un contexte où l'appui peut être, on va dire, mixte ou faible, le local, les communautés, les municipalités, les universités doivent jouer un rôle encore plus important pour assurer la cohésion et contrecarrer des tendances politiques qui suscitent la xénophobie. Monsieur Vallée a donné des exemples dans sa communauté sur Facebook. On voit beaucoup de réactions nouvelles très négatives de personnes qui étaient peut-être plutôt indifférentes, qui deviennent tout à coup très apte à s'exprimer de façon très négative et même dangereuse. Donc, je pense que l'université aussi joue un rôle très important. Avec la chaire que je dirige, on a pris le pari d'utiliser le film documentaire comme un outil pour ouvrir la discussion autour des questions d'aujourd'hui. Donc, on organise des projections au Café Foualier, dont un lieu très fréquenté par les étudiants. On produit aussi, on commence à produire des documentaires. Donc, je crois que le niveau local, et puis c'est comme ça partout dans le monde, les municipalités, les villes prennent de plus en plus de place pour contrecarrer ces discours à des niveaux nationaux et supranationaux qui érigent l'immigration en menace sécuritaire, enfin, qui font l'association entre la menace sécuritaire et la menace identitaire et l'immigration. Sans aucune analyse rigoureuse et scientifique. Donc, je crois que la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment important pour décentrer le débat et parler d'intégration d'une autre façon, parce qu'on parle beaucoup d'indicateurs économiques, de revenus. De l'insertion au travail, de revenus. Exactement. Et on utilise des indicateurs pour la population immigrante, la population native, comme on dit, souvent, il y a beaucoup d'une proportion importante de personnes qui n'atteindraient pas les objectifs qu'on fixe aux populations immigrantes. Qu'on impose. Donc, il y a vraiment une remise en question ici qui est nécessaire. Et je crois que la porte de la culture est vraiment porteuse et peut nous décentrer un peu le regard et dire, comme évoqué Stéphanie, c'est quoi l'intégration? Comment on l'évalue, comment on l'aborde, comment on l'appréhende? Donc, de parler aux gens, finalement, pour eux, c'est la relation, c'est la compréhension. C'est pas forcément le seuil de revenu après une année ou deux années d'arrivée, ce qui est utilisé par les pouvoirs publics pour dire « Ah, ben ça fonctionne pas » ou « Ça fonctionne mal ». Il faut vraiment revoir le tout. Un dernier mot, Mme Arsenault? Mais je voulais simplement renchérir sur le fait que les expériences dont on témoigne, mais la littérature scientifique aussi, et m'apparaît assez unanime à l'effet que l'art, la musique en particulier, mais les autres formes d'art, justement, revêtent un potentiel immense pour le rapprochement des individus, fait énormément de bien individuel, mais aussi de bien collectif. Donc, moi qui ai été nouvellement éveillée à cette réalité-là. Je suis maintenant une personne très convaincue du fait que la musique et l'art en général doivent être valorisées, mises de l'avant comme outil de rencontre. Les gens en ont certaines personnes en ont besoin plus que d'autres même. Mais, et donc, je pense que ça doit venir de tous les étages, effectivement, dans une société que moi, je qualifierais de... Bon, plus idéal, ça devrait être soutenu par des décisions politiques claires. Et les initiatives devraient être multipliées énormément. La création de tous les cadres possibles où on peut mettre l'art. Responsabilité partagée, appel à l'imagination. Il n'y a pas une seule stratégie. Terrain, je pense que c'est bien clair. Monsieur Vallée, brièvement, parce que je vais vous dire, on avait prévu des périodes de questions. Il y a deux micros dans la salle. On peut vous les apporter aussi concrètement, là, se déplacer pour vous apporter des micros, si vous voulez, à ce moment-ci, répondre un peu aux mêmes questions ou réagir aux propos des panélistes. Monsieur Vallée, allez-y. Oui, l'important, c'est... excusez-moi, l'idée a fui parce que j'étais accroché à vos lèvres. mais ça va sûrement me revenir. Le leadership politique, on comprend, c'est ça un peu le oui, début. Tout à fait. Excusez-moi, ça va, j'y mais reçuis. Ça suffit pas, j'y suis. Pour que tout le monde... On parle depuis tantôt du contexte que l'on vit au niveau politique et de ce que ça laisse comme trace actuellement.
ne faut pas oublier une chose aussi. S'il y a des initiatives comme la nôtre à Vaudreuil-Dorion, et comme des initiatives comme du côté de Trois-Rivières, du côté de Longueuil, du côté de Montréal, du côté de l'ensemble du Québec, qui fait des choses, entre autres, en médiation culturelle qui sont exceptionnelles maintenant, parce qu'on parlait, il y a 10 ans, on disait le mot médiation culturelle, puis il fallait à chaque fois le définir. Bon, on le définit encore aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que la médiation culturelle a pris énormément de terrain, et la culture pour le développement et la cohésion sociale est devenue maintenant quelque chose d'intrinsèque dans les municipalités. Il faut le faire et les gens s'en rendent de plus en plus compte. Pourquoi? Parce qu'on a eu, entre autres, des gens au ministère de la Culture et des Communications du Québec qui nous ont écoutés. Il y a 10 ans, quand j'allais les voir, on me disait « Vous êtes trop social, vous n'êtes pas assez culturel. » J'allais voir les affaires sociales, on me disait « Vous êtes trop culturel, vous n'êtes pas assez social. » Et il a fallu donner nos preuves. Donc, la réflexion a progressé à l'intérieur. Même chose au niveau de Patrimoine Canada. Il a fallu faire nos preuves. Il a fallu arriver avec des éléments concrets. Et chez nous, si ça a fonctionné, c'est parce qu'il y a eu des fonctionnaires du ministère de la Culture à Saint-Lambert qui se sont arrêtés pour la Montérégie, qui se sont arrêtés puis qui ont dit « Ce que vous faites, c'est bon », qui ont amené ça à Québec, qui a fait en sorte que les politiques ont changé, qui a fait en sorte que maintenant, on en discute, on en parle et on le fait partout sur l'ensemble du territoire. J'ai coaché plusieurs municipalités depuis les 10 dernières années à travers le Québec, de l'Abitibi jusqu'en Gaspésie, jusqu'au Nouveau-Brunswick, un petit peu partout. Et c'est fou de voir dans les 10 dernières années comment cette prise de conscience-là, que la culture peut changer les choses et peut sauver des vies. Et je pèse mes mots. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Vallée. Alors, je vous invite au micro ou faites-nous signe, levez la main, on vous apporte le micro. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce que les invités viennent de nous dire? Donc, je pense que c'est clair que des expériences de pratiques artistiques améliorent le bien-être des individus, favorisent des rapprochements culturels. Oui, madame, je vais vous demander de vous identifier. Oui. Attends, il faut ouvrir le micro. Je pense qu'il y a simplement un petit interrupteur sur le dessus. On va vous aider, sinon c'est très simple. Oui. Non, ça ne fonctionne pas. Ivana, il faut simplement pousser, lever le contact. C'est un petit... Ça va fonctionner. Ça marche? Oui, je pense que oui. Parfait. Sinon, je peux parler plus fort. Oui. Alors, je voulais faire un peu de pouce sur votre demande de tout à l'heure de s'il y avait des idées qui pouvaient être porteuses et tout ça. Alors, justement, un peu de millage sur ce que vous avez dit, Mme Arsenault. Nous, on est une école de musique à Québec, l'école de musique Arquemuse. Et puis, c'est quand même une école qui est dans le domaine du loisir, soutenue par la Ville de Québec. Et puis, on a développé depuis 2 ans un département de musique orientale parce qu'on a la chance, je dirais un grand, grand privilège, c'est d'avoir un professeur tunisien qui a décidé d'immigrer au Québec et qui, lui, est un spécialiste de musique arabe. Et puis, il y a eu un conservatoire à Tunis. Et donc, il a décidé, lui et sa famille, de venir et d'offrir ses services à notre école. Alors, en ouvrant ce département-là, bien, on voit, nous, ça, c'est sûr que ça nous ouvre énormément de portes sur peut-être la musique du monde en général. On a quand même des excellents musiciens d'un peu partout, mais la musique arabe, c'est quelque chose. On est la seule école au Québec, à Québec. Montréal, il y en a, mais pas dans le même cadre que nous, pas du domaine du loisir. Alors là, on a réussi à avoir, par la Ville de Québec, un soutien en médiation culturelle, si vous voulez. Et ça, c'est une grande aide. Alors, on va faire 3 journées de portes ouvertes, dont la première est dimanche. La difficulté, par exemple, qu'on rencontre, c'est d'être capable de rentrer en contact c'est une porte ouverte à tout le monde, mais on aimerait vraiment être capable d'aller vers la communauté arabe, si vous voulez, parce qu'on sait que la musique, surtout c'est de la musique traditionnelle, on sait jusqu'à quel point ça peut être bénéfique, tant pour les enfants, souvent aussi on sait que pour des personnes qui peuvent aussi, on parle des réfugiés. Je suis d'ailleurs allée porter une affiche chez vous, madame, il y a 2 semaines. J'espère que vous l'avez accrochée. Alors, oui, je sais. Donc, il y a le défi de rejoindre les communautés. Exactement, et d'aller chercher justement une partie de la communauté qui est peut-être plus fragilisée, parce que c'est sûr, on a les communautés, les migrants économiques, mais on aimerait ça aussi, pouvoir aller chercher cette communauté-là des migrants, des réfugiés.
Parce qu'on a des professeurs aussi qui sont spécialisés au niveau des problématiques chez les enfants autistes ou les enfants post-traumatiques, l'enseignement de la musique auprès de ces enfants-là. Alors, notre difficulté à nous, comme école de musique très ouverte sur le monde et qui voulons vraiment développer cette particularité-là de musique, c'est d'avoir des partenaires qui peuvent nous aider à aller au cœur de ce que vous faites comme activité, puis nous envoyer ces gens-là. Est-ce que vous avez des éléments de solution? Il y a plusieurs angles d'approche qui peuvent être pris, mais un de ceux là, que j'ai vu ailleurs et qui fonctionne très bien, c'est d'y aller pas d'une façon très conventionnelle, c'est-à-dire pas d'y aller directement avec vos projets à vous, mais de communiquer avec la communauté musulmane, par exemple, de nommer celle-là, et de leur dire « on aimerait ça vous rencontrer ». On aimerait ça vous rencontrer pour vous connaître, pour savoir comment, c'est quoi la place que la musique prend chez vous. Est-ce que vous pourriez, là, pour cette rencontre-là, être accompagné de quelques musiciens ou artistes de votre communauté? On fixe ça à l'horaire, on se rencontre et là, on s'assoit. Et on bâtit ensemble un projet sur leurs besoins, leur réalité. Avez-vous des préoccupations? Est-ce qu'il y a des éléments auxquels vous aimeriez répondre? Et là, vous allez vous insérer tout en leadant dans les besoins réels de la communauté, et ils vont être là. Ça veut dire c'est un angle d'approche complètement différent. On est dans un angle d'approche complètement différent. Mais on est dans la façon dont souvent la médiation culturelle est la plus porteuse. C'est-à-dire quand elle est faite au début en s'assoyant autour d'une table sans savoir ce que ça va donner en bout de ligne. Et quand on fait ça, puis il y a des choses chez nous qu'on a fait de cette façon-là, puis il y a d'autres choses qu'on fait d'une façon plus directive. Oui. Parce que c'est clair. Je comprends, mais pour travailler, parce que c'est quand on est dans le développement social, je comprends, c'est l'approche qu'on apporte. Mais quand tu es une école de musique, donc tu es une école qui a une vocation très, très spécifique, puis on a déjà le professeur qui est arabe, alors il faut qu'on trouve d'autres façons que ça, parce qu'on ne peut pas offrir un ensemble de services. Nous, ce qu'on offre, c'est des cours de musique. Parfait. Mais c'est pour ça que c'est pas si simple. Je pense que... D'accord. Madame Arsenault? J'avais quelques éléments qui peuvent aider à alimenter la réflexion autour des enjeux du recrutement ou du fait de rejoindre les gens pour participer. La plupart des projets, et comme moi, je relève de l'école de travail social, donc par définition, ce que nos étudiants et ce qu'on